Messieurs, bonjour, bienvenue au centre pour Dilluit. Donc nous faisons pour la première fois aujourd'hui une porte ouverte. Donc pour vous accueillir, vous présenter un peu la caserne, le fonctionnement, le recrutement des sapeurs-pompiers. La première manœuvre de sauvetage, donc elle engage un engin d'incendie, un fourgon pompe-tonne, équipé de deux équipes d'intervention. Elle-même commandée par un chef d'agrès. Le personnel, une fois engagé, il y aura une équipe qui va s'occuper de la mise en place de la victime dans le vide et assurer sa sécurité, et une deuxième équipe qui réceptionnera en bas du bâtiment la victime qui aura été équipée du dispositif. Nous passerons ensuite à une deuxième manœuvre de désincarcération, donc là sur le thème de l'accidentologie, les accidents de circulation. On fera une démonstration sur une désincarcération d'un véhicule accidenté. Donc mis en condition pour un thème de manœuvre. On va mettre en place une victime à l'intérieur, touchée d'une pathologie au dos et au cervical. Ne permettant pas de se sortir d'elle-même de la voiture, on procédera à la désincarcération de celle-ci. Donc on procédera à la découpe de la voiture. Une fois que les premiers soins auront été amenés à la victime, on sortira celle-ci et sera évacuée vers un centre hospitalier. Attention, c'est bon. Tu contrôleras bien la descente, Ouais. Descends. Donc comme on l'avait dit en haut, on peut voir que la victime elle est vraiment bien assurée. On la laisse glisser tout doucement et à tout moment on peut bloquer la descente et l'arrêter. Vas-y. Pierre, tu fais une... Vas-y Loïc. Là la réception. Encore un peu. Sur ton dos Loïc. Arrête. Voilà, donc c'est la fin de la manœuvre. Donc voilà, toujours une équipe en bas, une équipe en haut qui procède à la descente de la victime et une équipe en bas qui procède à la réception de la victime. Une fois que celle-ci a été réceptionnée, on l'emmène vers un VSAV, un véhicule de secours à personne, comme vous y a là à côté de vous, pour pouvoir faire un bilan à la victime et puis procéder à ses soins. Bonjour à vous tous. Merci déjà d'être venus nombreux ce matin à notre porte ouverte qui va se dérouler de 9h à 18h. Donc nous sommes un centre de première intervention à Ivy. Nous avons 24 SPV, tous volontaires. Nous effectuons à peu près 200 interventions à l'année que sur Ivy. Donc le but d'aujourd'hui, c'est de vous présenter déjà le matériel, les locaux. Il y aura toujours un bureau de recrutement. Donc de ne pas hésiter à me contacter pour le recrutement. Si vous êtes âgé entre 16 et 55 ans, nous recrutons. Comme vous pouvez découvrir, la caserne est un peu vétuste. Nous attendons la nouvelle caserne depuis 2 ans. Nous croyons encore à la nouvelle caserne dans les années à venir. Donc la journée d'aujourd'hui, on a fait une manœuvre de démonstration de sauvetage ce matin. Nous allons attaquer la manœuvre de désincarcération à 10h30. Et on renouvelle l'opération cet après-midi à 14h et 15h30 aussi. Quand j'ai commencé, c'est ça, les premières tenues. Oui. C'était le cuir. Un petit peu après, quelques années après, on est passé au textile. Et ensuite, on a une nouvelle tenue textile. Là, c'est la dernière tenue officielle. Donc, il protège mieux contre le feu. Oui, alors, bah là, on rentre dans le feu, on ne sent même pas. C'est un véhicule de secours à victimes. Dans un intervention, les secours n'arrivent pas tous en même temps. Il y a des véhicules légers, il y a des véhicules plus lourds. Ils n'ont pas la même capacité de roulage. Donc les premiers secours arrivent, le chef d'agrès va prendre contact avec la victime. Donc il constate que cette victime qui est consciente est visiblement blessée. Il fait le tour du véhicule pour essayer de tirer contre des différents accès sur le véhicule. Monsieur, vous m'entendez? On arrive.
Voilà, donc là, le personnel qui va intervenir pour faire rentrer un sapeur-pompier en premier contact avec la victime. Le fait de tenir la voiture, ça évite le déséquilibre et les secousses au niveau de la victime. On peut voir qu'il y a un extincteur qui a été posé pour les risques d'incendie autour du véhicule. Donc le sapeur-pompier, il a donné ses premiers ordres, il s'en va à l'engin faire sa demande de renfort, étant donné que la victime semble coincée à l'intérieur du véhicule. Le sapeur-pompier engagé est de rester en contact avec la victime. Donc en général, on privilégie le plus souple, le plus habile, et souvent plus résistant, parce que cette personne va rester jusqu'à l'extraction de la victime, en dehors de la voiture. Donc là, le procédé de main. Donc voilà, les poursuivants sont en route. Donc en renfort, on aura un fourgon de secours routier équipé du matériel nécessaire à la détection du véhicule. On a également un autre On peut y voir là l'importance des protections qui ont été mises aux différents endroits de coupe, de façon de protéger la victime et le personnel. Bonjour, d'abord permettez-moi de vous souhaiter bienvenue sur cette aire de manœuvre donc pour la journée porte ouverte des sapeurs-pompiers d'Ivy. Alors c'est une première à Ivy, puisque de mémoire d'homme, il n'y a jamais eu de porte ouverte organisée dans cette belle commune, alors que le corps de sapeurs-pompiers existe depuis très très longtemps. C'est une belle journée, malgré un petit temps gris, mais malgré tout, c'est une journée importante pour nous parce que, eh bien, pour faire tourner la caserne des pompiers d'Ivy, il faut de la ressource humaine. Et ce centre de secours n'est activé que par des sapeurs-pompiers volontaires. Qu'est-ce que c'est que les sapeurs-pompiers volontaires, allez-vous me demander ? Ben, c'est simplement des hommes et des femmes, comme vous et moi, qui ont un métier, une activité professionnelle
principal. Ils décident de consacrer donc du temps libre, du temps sur leur temps de repos, du temps sur leur temps de famille, pour porter secours à nos concitoyens. Pour cela, eh bien, ils suivent une formation qui équivaut à peu près à 300 heures de formation. Ils apprennent le béaba du métier de pompier. Et ensuite, eh bien, ils s'intègrent dans des équipes qui fonctionnent à l'astreinte. Et dès que vous faites le 18, si vous êtes habitant de la commune d'Ivy, eh bien, ce sont les pompiers d'Ivy qui interviendront, accompagnés par une ambulance des pompiers de Cambrai. Mais ce sont eux, les pompiers d'Ivy, qui feront les premiers gestes pour sécuriser la victime. Éventuellement, si c'est un incendie, eh bien, ils attaqueront l'incendie avec leur camion que vous pouvez voir et même visiter et que les enfants, d'ailleurs, pourront approcher de très près parce qu'on sait que tous les sapeurs-pompiers sont des gens qui ont réalisé un rêve d'enfant. Je suis le premier, je suis vraiment une image de ça. Les pompiers d'Ivy vont vous démontrer leur savoir-faire. Vous avez pu voir tout à l'heure sur la manœuvre de désincarcération qu'ils ont participé en collaboration avec les pompiers de Cambrai à une manœuvre très technique. Technique, hein, très 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 professionnelle et vous le public présent qui était déjà très nombreux pour un dimanche matin, et bien ce public là a pu voir comment on découpe une voiture et des fois on se dit ben ma voiture c'est peu de choses. Une autre manœuvre de secours en hauteur, alors avec le matériel de l'eau de sauvetage, où on évacuera une victime qui est coincée au deuxième ou au troisième étage avec des moyens très techniques aussi qui sont inspirés du matériel de spéléo et d'alpinisme. Quelque chose d'assez spectaculaire et qui, là aussi, vous démontreront que les pompiers volontaires d'Ivy savent tout faire parce que c'est leur métier de savoir tout faire et d'être présent. Je pourrais aussi vous dire comment on fait pour devenir sapeur-pompier volontaire. C'est intéressant, hein, c'est pas très compliqué en fait. Il y a deux ou trois conditions incontournables. D'abord, il faut le vouloir. Si vous n'avez pas envie d'être pompier volontaire, c'est pas la peine. Mais je pense que si vous en avez un petit peu envie, laissez-vous pousser par le désir. Venez nous rencontrer dans les casernes et on vous dira ce qu'il faut faire. Il faut avoir minimum 16 ans. On veut des gens qui sont en bonne santé tout simplement et qui n'ont pas peur de faire un peu d'activité physique. Un peu d'activité physique, ça ne veut pas dire être un grand sportif. Voilà. Donc c'est tout ce qu'il faut. Bien sûr, ensuite, il y aura une formation à suivre, je vous en ai parlé tout à l'heure. Et après, il faut s'intégrer dans les équipes. Donc vous êtes tous et toutes les bienvenus. On a encore des progrès à faire en matière de féminisation, même si à Ivy, on a quand même plusieurs femmes qui servent dans la caserne et ça nous fait très plaisir. Et puis, il y a chez les pompiers des valeurs. Ces valeurs, c'est la citoyenneté, c'est la solidarité, c'est se mettre au service des autres, c'est la gratuité du service public, c'est beaucoup de choses qui font que finalement, quand on est chez les pompiers, on est dans une grande famille. Donc voilà, les gens sont les bienvenus à Ivy pour cette journée. Et puis, qu'ils n'hésitent pas, s'ils veulent des renseignements, ils vont voir les pompiers d'Ivy, ils passent à la caserne.